Hey, bonjour à tous et bienvenue sur un épisode FTP en compagnie de P. Bonjour tout le monde. Vous avez vu? J'ai une superbe belle abeille qui est tellement cheatée qu'elle va me produire tellement de choses. En fait, j'en sais rien parce que je la connais pas. J'ai un gène dessus qui s'appelle Gravity. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Pendant ce temps que Monsieur BX est en train de chercher le granit que je lui ai offert, lui, il s'est fait une. Pendant ce temps que lui il s'est fait une armure What the fuck cheatée de Tom Craft. Voilà, j'étais avec lui en même temps qu'il a fait, donc il avait une chance sur deux pour que ça explose et ça corrompe toute la map entière. Mais bon, ça va, ça c'est pas trop un problème. Bon, alors sur ce, il y a quelque chose que ça m'a été demandé par Shorty, c'était une abeille de quartz. L'abeille de quartz, je suis en train de l'effectuer depuis ce matin environ, hein. Ce matin, hier, on est en train de massacrer des villageois en grande quantité. On en a buté environ 200-300 villageois Benji, hein, pour récupérer un gène en particulier qui est la monastique. La monastique, je l'ai eue, donc d'où en fait la monastique, c'est celle-là. Monastique. Voilà, monastique. Elle est en train de chercher. Non, c'était celle-là. Bah alors? Ah bah oui, elle peut pas se crafter. C'est normal. La monastique. Il y a que les villageois qui donnent des drones de monastique. Et j'ai dû utiliser 70 émeraudes environ pour avoir un gène. Parce que, bon, en passant cette abeille-là dans l'isolateur, vous avez très peu de chances d'avoir le gène directement. Or, que ce matin, en me connectant et en faisant ce gène-là, j'ai obtenu 10 ou 12 gènes différents avec un seul drone. Donc, c'est peut-être pas plus mal. En même temps, j'ai eu mon gène. Grâce à ce gène de monastique, j'ai pu commencer à faire ces abeilles-là, qui me permettront d'avoir le quartz plus tard. Je suis en train d'effectuer le gène hermétique également, parce que j'en aurai besoin aussi, et ça plus tard. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait ça là-bas? Le savant, brainy, furtif combe, zombie brain, rotten flesh, ok, si tu veux. Et produit quoi ça? Propolis, sony, ok, bon bah si tu veux. Du coup. Moi de mon côté, comme j'avais déjà le gène frugal, sinister, austère, cultivate et ainsi de suite, plus Ender, j'ai fait une 7 Luded plus une Ender. Alors, pour ceci, ça m'a donné, voilà, abnormal. Voilà, ça m'a donné le gène là. Abnormal, j'ai 5% de chance de l'avoir. Même avec des soul frames, ça m'a duré 2-3. Modification, donc traitement de l'abeille pour qu'elle me donne ce qu'il faut. Ça m'a donné pas beaucoup, hein, je préfère le dire. Là, j'ai eu 3 abeilles en 3-4 coups. Grâce à cette abeille, si je la mets avec une hermétique, ce que ça veut dire celle-ci, j'ai encore 5% de faire une spatiale. Une spatiale plutôt. Une spatiale. Une spatiale. Avec cette spatiale, déjà en faisant l'abdomen normal, elle me donne de la yellow combe, ce qui me donne déjà 30% de quartz. Rien que ça, je suis déjà content. Cependant, moi je veux aller tellement plus loin que je vais faire la spatiale. La spatiale, quand on la fait, et quand elle produit déjà 25% de quartz, d'avoir une combe de quartz, plus 5% d'avoir une certus combe. 5%, ça veut dire elle donne 20% de chance d'avoir du Certur Quartz, 25% de Nether Drop et 25% de Nether Quartz. Je sais juste une chose, c'est que, une chose même plus, qu'au-dessus de celle-ci, en mélangeant avec une spectrale, la spectrale c'est une hermétique plus une Ender, j'ai 4% encore moins de chance de l'avoir, mais je pense l'avoir quand même. Celle-ci, une fois qu'on l'a. Elle fabrique des monastiques combles qui permet d'avoir de l'ender. Donc ceci quand tu vous la passez dans le craft ça fait ceci ici et ça fait des ender perles. Moi je m'en fous sachant que j'en ai déjà qui produisent des ender perles. Je veux faire c'est la quantum. J'ai 5% de la faire mais c'est comment? La quantum c'est l'ultimate abeille
l'une des plus grandes abeilles qui a un craft extrêmement long. Un craft, hein, une production pas, on va dire pas rapide. Je pourrais la rendre plus rapide une fois que j'ai le gène. Mais une fois que je l'ai, elle me produit 25% de combla, 3 fois plus en certus par rapport à l'ancienne, et celle-ci aussi. Ceci me donne de l'underpearl, comme des shards d'underpearl, mais elle me fait de l'underpearl correctement, sans passer par plusieurs étapes. Là, en 9 items, ça me fait une underpearl, que l'autre c'était en 25 items, ça me donne une underpearl. Donc j'ai environ 3 fois moins de craft à faire pour avoir une underpearl. Pour cela, là, ah bah c'est bien, j'ai encore une under. Ah bah en plus, j'ai une cétluette plus celle-là. Tiens, hop, on va les scanner un petit coup encore. Elle a toujours le gène de l'ender et elle le gène de la monastique. Je m'en fous puisque je la refais tourner avec une cétluette plus ender. J'ai 5% de chance d'avoir encore une âme normale. Alors elle, je m'en fous, celle-là, voilà, j'ai le gène Gravity, l'effet Gravity, je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Donc déjà celle-là, je vais pouvoir la foutre là, directement, comme ça j'ai mon gène attitré. Bah ça c'est en train de se produire, hein, tranquillement, je la laisse. Ici, elle m'a récréé une monastique. Plus Ender, mais je vais les faire tourner l'Ender pour en avoir un peu plus, pour éviter d'avoir tout le temps à en refaire, ainsi de suite. Je vais les faire directement. Moi ici de mon côté, ça remplit toujours. Vous voyez, j'ai 97 shards d'émeraude qui me crée une émeraude à partir de 9, ainsi que des diamants. C'est pareil. On va dans notre petite ferme à comment? Oh, en plus il pleut. Une ferme, bah la ferme là-bas. Il y a aussi une chose, c'est que je vais construire un peu plus grand mon bâtiment, je vais faire un petit toit et je vais refoutre des ruches dessus. Ça sera par exemple deux allées comme ça d'émeraude et deux allées comme ça de diamant. Sauf que celle en diamant, celle qu'il y a là, il y a une version supérieure, celle-ci elle produit ce qui me comble. Il y a une version supérieure de la diamant, je ne sais plus quoi. Tac, voilà. Non. C'est juste qu'elle me donne du diamant également. Diamant. Hop. La diamant là. Non, c'est pas celle-là. Pas la nugget. C'est laquelle? C'est laquelle? C'est laquelle? C'est laquelle? La diamant. Je crois, ouais, celle-là, voilà. À partir d'une austère plus une aurique, donc c'est déjà ça, plus 7%, et il faut qu'il y ait un bloc de diamant à côté d'elle, ça crée une diamantine. Cette diamantine, une fois qu'on la farm, ça nous donne 6% de chance d'avoir une diamond shard. C'est quand même pas rien, c'est 6%, l'autre c'est moins d'1%. Donc ça veut dire 6 fois, 12 fois plus de production de diamants. Donc un étage comme ça, je vous garantis tout de suite que ça va chez des bulles. Voilà. Donc ici ça va, c'est encore du diamant. Et là c'est directement l'émeraude. J'ai arrêté, de mon côté j'ai arrêté les industrios parce que ça me remplit les disquettes à une foultitude pas possible. J'en ai quasiment 22 000. Et voilà, j'ai encore 15 shards de diamant et 48 shards d'émeraude. L'émeraude, j'ai regardé, je ne peux pas en faire une version supérieure de qualité. Donc du coup, je suis obligé de garder justement celle-là. Hein. Donc ça me dérange pas. Hein. Je préfère le dire, ça me dérange absolument pas. Ça va me créer petit à petit. Hein. Je vais les faire automatiquement après, pour plus tard. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Et c'est très l'orage dehors, moi je te le dis. Du coup, bah, là ça est en train de se faire ici aussi. Bon, c'est génial. Tiens, je vais scanner celle-là, tiens. Voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est une monastique pure. C'est une monastique pure. Et bon, je vais quand même la garder, la monastique pure. Ça peut servir pour plus tard. Et oh, encore une nappe normale. Je vais garder du coup. Alors, une monastique et une ender. Non, pas une monastique.
Monastique pour plus 7 luèdes. Eh ben hop, je vais foutre ça. Et celle-là va me permettre d'avoir une hermétique. Une hermétique. Si j'ai la hermétique, je suis super content. Ça, je m'en fous du coup. Et ça, c'est les gènes de base. Par rapport à celle-là, vous avez quoi de commun ou non? Ok, l'autre c'est une Ender et celle-là c'est une classique. Ah bah je prendrai la classique du coup. Putain, et c'est très l'orage dehors. Hein. Pourtant j'ai pas mis de Valiant. Hein. Moi je préfère te le dire. Elle avait pas un gène en particulier celle-là? Non, pas de gène en particulier. Bah je vais la foutre là. Je joue tranquille. Under. Under. Ouais, je vais les mettre en fonctionnement celle-là aussi. Tiens. Hop. Comme ça, ils sont tous contents les unes sur les autres. De mon côté, je vais rajouter des Onyx Combes. Voilà, ça m'en fait deux, je vais scanner plus tard. Il y a celle-là. Ah, celle-là, c'est une abnormale en active. Donc du coup, si j'ai une abeille sûre à 100%, une abeille queen sûre à 100% d'avoir une abnormale, je la fais travailler en boucle pour qu'elle me donne des drones supplémentaires. Ici, c'est... D'accord, oui, ceux-là, il faut que je les fasse travailler avec les end. Elle aussi, du coup, on la fait là. Comme ça, elle a son gène attitré d'avance. Est-ce que celle-là aussi, abnormal? Ouais, mais sans le gène. Celle-ci, non. Celle-ci, oui. Elle a le gène d'avance. Et bah je vais la foutre aussi également. Comme ça, elle va générer tout seul. Moi je retourne au-dessus. Maintenant, on va séparer les principales comment? Gènes. Alors, celle que je veux, le gène c'est abnormal. Donc on va voir si j'ai de la chance. Mais sauf qu'avant je veux l'instable. L'instable, celle-ci. Instable, 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 instable. Hermétique, hermétique, hermétique. Ok. Alors pourquoi je veux unstable? Je viens de remarquer que en faisant la catégorie des radios actives, celle-ci, déjà la nucléaire, il me faut une unstable. L'unstable. Ah. Hop, voilà. L'unstable vous produit des barrels combes, qui est ça je m'en fous hein, de base. C'est la nucléaire en fait. La nucléaire vous produit encore celle-là, donc c'est pas celle-là, c'est la radioactive. Voilà. Elle vous crée de l'uranium. L'uranium, c'est une chance sur deux d'avoir de l'uranium. Hein. Donc c'est quand même pas rien. Donc si je peux avoir le gène, ça me dérange absolument pas de l'avoir. Donc ça, c'est des gènes pourris. Hein. Vous voyez, il y a déjà deux cons qui sont partis. Donc c'est pas très grave, hein. Au pire. Je peux en refaire, hein. C'est unstable, il y en a en bas qui est en train de se faire, donc je vais les faire en boucle. Du coup, j'ai aucun souci pour ça. No effect, je m'en fous aussi du fait que j'en ai déjà en stock. Hein. Donc, il y a les gènes là, et il y a ceux-là. Ça, c'est des gènes purs et durs. Ça, c'est une double de gènes, mais j'ai les gènes principaux. J'ai vu dans un commentaire que je ferai effectivement une copie de tous ces gènes. Via le duplicateur, donc le réplicateur, qui permet justement de dupliquer le gène en question sans repasser des abeilles et le foutre dans une disquette dans une salle sécurisée que personne ne peut y accéder sauf moi. Voilà, comme ça, en cas de pépin majeur, bah, j'aurai toujours un accès sur mes gènes principaux. Principal, un gène, non, principaux, voilà. Bah, le produit phase est en train de se faire aussi. Donc du coup ici ça donne quoi? Rock et Rainfall. Rainfall, je m'en fous. On va continuer. Ça fait déjà 15 minutes que je parle. Oh, ça va super vite. Du coup, on attend. En fait, je veux surtout obtenir le gène unstable. Si j'ai le gène, je suis content. Je l'ai toujours pas. Donc vous voyez, il y a certains drones qui tiennent longtemps. 1, 2, 3, 15 gènes dans une seule drone. C'est quand même
très bien, hein. Je dirais pas le nom, mais bon, quand même mieux de les avoir. C'est en train de se faire petit à petit, on va attendre, hein. Épisode détente, tranquille, low fertility, j'en ai un peu rien à foutre. Alors oui, voilà. Les TPS, on dirait qu'ils sont très très bas. Où c'est moi qui lag? Non, bah non. Peut-être un DDoS en cours. Qu'est-ce qu'ils sont chiants les mecs, je te jure, les mecs ou filles. Hein. Je mets tout le monde dans le même panier. Ou c'est Bako qui merde un peu. Ça pourrait le faire aussi en fait. Du lag. D'accord, je vois même pas le message qui revient. Ok, bon, c'est pas que moi. Donc il y a bien un truc en cours. Nocturne, je l'ai toujours pas. Bon, bah j'ai pas unstable, donc du coup j'ai qu'à continuer. Hermétique, je vais voir si j'ai le gène hermétique. Donc là c'est pareil, on attend hein, tranquillement. On n'est pas pressé en fait. Hein. Si j'ai le gène hermétique. Bah je la fous avec une Ender par la suite et ça me crée la spectrale. Donc c'est l'avant-dernier gène qui me permettra d'avoir la Cantu. Si on l'a. Sinon il faudra que je refasse les étapes. Fast test. Oh, c'est pas faster, c'est encore fast test. C'est juste au-dessus encore. Ah bah c'est cool. C'est production encore. On va voir si... Si j'ai le gène en question, hein. Si j'ai le gène, tant mieux, mais non, sinon non. Slowner, je l'ai toujours pas, donc bah j'attends. J'ai que ça à faire en fait. Là actuellement, toute l'après-midi, j'ai passé pour rechercher les abeilles. J'ai quand même évolué, hein. Il y a une, deux, quatre, 4, 8, 8 et 8, 16, 16, 32, 64, 64 plus 16, 70, 80. Il y a 80 étapes hein, pour faire l'abeille en question. Et là, en fait, j'en suis au 1, 2, 8, 16e. Il reste encore 16 étapes. Hermétique! Ouais, j'ai le gène! Wouhou! J'ai le gène hermétique! Yeah! J'ai le gène hermétique. Voilà, j'ai le gène hermétique. J'ai juste à le foutre. J'ai juste à le foutre. Déjà, je vais le mettre en sécurité ici. Je vais même le multiplier. Les gènes très importants, je préfère d'abord les multiplier et ensuite les recharger. Comme ça, s'il y a un bug, je l'ai toujours. C'est au cas où si j'ai un bug, hein, ça m'étonnerait, mais je préfère quand même avoir une sérénité d'avoir le gène directement. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vais foutre les abnormales. Si j'ai le gène, je suis content, mais vraiment content. Là, si j'ai le gène abnormal, sachant que j'ai le gène hermétique, j'ai juste à faire le traitement pour que je puisse avoir la spatiale. Si j'ai la spatiale et la spectrale, je vous garantis que j'ai les abeilles de quartz. Monastique, m'en fous. Monastique, je l'ai déjà, parce que si j'avais pas le monastique, j'aurais pas pu faire celle-là. Faut dire ce qui est. Là, on attend, on attend, on attend toujours que l'abeille se fasse. Ici, ça me donne quoi? Hermétique Princess. La la. Et j'ai encore des abnormales. Ah, je suis trop content. En plus, c'est les vraies abeilles qu'on a là en plus. Hermétique, hermétique, cécluène, monastique. C'est laquelle, c'est l'hermétique? Ouais. Du coup, je m'en fous de cela. Humide, humide. Ok. Je vais la scanner quand même pour voir ce qu'elle a comme gène. Gravity abnormal. Ok, c'est le gène en parfait état.
Hop, tant pis, je vais la foutre là quand même. Purifier, non, ici. C'est très très chiant, je vous le garantis. Voilà. Ben, il y a peut-être du DDoS en cours, hein. Peut-être. J'espère pas, parce que franchement, ils sont chiants de nous faire ça. Oh. On dit de marquer GG, j'ai marqué HH. GG! HH! Ça veut rien dire, mais HH quand même. Ici, bah, c'est en train de me créer tranquillement des choses. Hop, tranquillement. Je les ai scannés? Non, je les ai pas scannés. Alors, Repulsion aussi, c'est... je ne sais pas ce que c'est. Repulsion, je ne sais pas. D'où le nom Repulsion, ça veut dire renvoi. Mais... on sait rien du tout ce que c'est. Hein. Large, large, fast, gravity. Ah, gravity, je l'ai. Gravity effect. Putain, je l'ai. J'ai réussi à l'avoir. Je sais pas ce que c'est comme gène, mais ça a l'air fun. Gravity. J'irai check le wiki pour savoir ce que c'est comme comme gène gravity. Ok, oui, non, mais j'en ai fait deux en trop. J'en ai fait deux en trop. Pouf. Un sérum que je refous là. Un sérum que je refous là. Voilà. C'est en train de se faire. Slow, fast et large. Je m'en fous un petit peu de tout ça. Ah, c'est tech en dessous, ok. Alors, fast est fait. Maintenant, il y a fast test qu'il se fait en refaire. Monastique, je m'en fous. C'est abnormal que je veux. C'est vraiment abnormal. Hop, hop. Non, toujours pas. Là, ça va être un peu compliqué. Hein. Si ça marche pas. Tant pis en même temps, mais c'est le jeu. Hein, faut dire ce qui est. Au moins j'aurais terminé cette branche là, la branche du quartz. Elle aura duré longtemps, hein, quand même. Short non plus. Fastest, c'est le dernier drone en plus qui se fait. Hermétique gelé, hein. Oui, hermétique gelé. Il y avait quoi comme gène là-dedans? Repulsion? Ouais, je sais pas ce que c'est. Hermétique. Je vais les faire tourner à fond pour Under, oui, bah normal. C'est fast, hein. Okay. Maximise. Je vais les foutre en max. Under, voilà, j'attends le reste. Hein. C'est épisode tranquille là. Longer. Lightspawn. Ah, je ne sais pas si je l'ai, longer. Longer. Long. Ah, je l'avais pas le gène. Bon bah c'est cool, ça me permet de récupérer des gènes supplémentaires. Under. J'ai toujours Under, mais je m'en fous d'Under moi. Ah, c'est très l'appui dehors. C'est fun en plus, hein. C'est très l'appui. Là, là, ta, ta. Bah ça produit bien, hein. Ça, il n'y a aucun souci pour ça. Ça produit même très bien. Et je crois que cette abeille en plus elle est stable. Ouais, elle est stable. Donc c'est pas plus mal. Je la ferai un petit peu tourner, histoire que j'ai des drones supplémentaires à côté. Ça en train de se remplir. Fast, je la garde.
Humidité. Bon, en fait, je l'ai pas eu. Donc, je vais faire tourner l'abeille en question. Fast. Tuc, je la fous là. Ça, c'était Max. Ça, c'est Ender que je dois changer. Alors, vous voyez, j'ai rajouté quelques machines parce que j'ai besoin d'en faire un peu plus. Donc, hop, Pooper, tranquille. Hop. Ça, c'est en train de se remplir. Là, j'ai rien en cours. Là, j'ai plus rien en cours. Je vais voir cela. Ouais, du coup, hop. Alors, unstable. 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 Abnormal, abnormal, under. Abnormal, abnormal, je l'ai pas eu, hein. Je suis bien d'accord, ouais. Normal, abnormal. C'est avec quel drone? Normal. Normal. Abnormal, c'est avec des Sutlen et des Zender. Ok. Donc ça, plus ça, c'est égal à ça. Ok, et ça, c'est du 4. C'est avec des rocs, hein. Ouais, c'est avec des rocs. Du coup, hop. Je ne sais pas ce qu'elles font. Je ne sais. Bah, je sais que le gène en question, c'est tue le joueur en 2 jours s'il n'est pas protégé. Et si Tech il vient avec moi. Lol. Tiens, je vais faire un petit tour, tiens. Je vais faire un petit tour chez lui. Vas-y. Fais péter. Vas-y. Ah, d'où la fire potion. D'accord, je comprends mieux. Bon, bah, je crois qu'on va se terminer l'épisode là-dessus, en fait. J'attends de voir ce qu'il fait, parce qu'il y a un ordre croissant à faire. Hein. Il faut toujours partir du nord, l'est, sud, ouest. C'est comme ça que les crafts se fait. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, ça avait foiré quand j'avais fait ça sur FTT, parce que j'avais de fait dans n'importe quelle direction. Et c'est pour ça que ça a complètement foiré. Donc voilà. Donc là, il est en train de mettre des appareils complètement pétés sur le truc. Très cher aussi. Et ça a une instabilité ultra dangereuse. Si ça foire, par exemple, le monde peut être complètement déstabilisé et pourri en fait. Donc avec les petits bonhommes. Lui, il va chercher ce qui est en plein, il les met dans des jars et il va les ranger. Hop. Donc, vous voyez, tranquille. Alors? Eh, je crois qu'on va attendre en fait. Hein. Il est en train de tout vérifier correctement. Il le replace. Ouais. Bah ouais, pourquoi? Parce que tout est bien installé correctement. Bon alors, attendez, on va faire une petite ellipse et on revient tout de suite. Oh, si ça fait des pétards de partout! Je vais être Là, ce content. bruit n'est pas déclaré. Tout fonctionne bien. Pour l'instant. Tout fonctionnera bien. Bah, j'espère bien. Serait con que Patripolis explose. Oui. Faute d'un magicien, hein?
Je sais pas de quoi tu parles. Je suis pas magicien, je suis vendeur d'armes et armures. Ah ouais, ça se voit vachement. Je sais pas de quoi tu parles. Attendons, attendons que les mélanges. Ah, puis la nuit, elle tombe là? Est-ce que c'est la nuit qui tombe là? Oui, la nuit tombe, ça va être parfait. Pourquoi? Je vais pouvoir te montrer comment fonctionne la lumière du pantalon. Ah, d'accord. Ah, puis du coup, tu peux aller voir là-haut, j'ai monté. Comment dire? J'ai fait la salle d'automatisation. Elle est prête pour automatiser. Ah oui, cool. Ah oui, Sauf sympa. là, il manque une ligne, je sais pas pourquoi je l'ai pas mise. Ouais, bah, ouais. Ça va être la salle d'automatisation. Oh, du petit rouge. Oh, du bleu. Ah. C'est swag de ce bordel. J'aime bien, moi. Avant, ça restait bloqué en bas, du coup, j'ai fait les trous pour que ça monte parce que c'est vachement plus mieux. Oui, bah oui. Ça donne un tout autre effet quand ça fonctionne. Y a des bébés de partout. Ouais. Et c'est marrant parce que t'as vu les bottes jusqu'où elles montent? Et c'est juste le pied, il monte à la taille du pantalon. Ouais. Complètement pété le machin. Ouais. Par contre, T'es le casque est swag. très laid. Mais t'es swag comme ça. Ouais, le casque c'est une espèce de capuche. Attends, je vais te montrer. Ouais. Ça marche Et plus. la version du dessus, c'est la même, mais juste avec un point bleu. D'accord. Oui, mais non. Voilà, les lunettes, voilà. Voilà, là t'es mieux, voilà. Voilà, c'est plus le swag. Non, non, mais de toute façon, c'est une horreur. Oh, ça avançait vite, plus que 16 de Alienis, c'est parti. Ah oui. 10. Bon, Archive. moi ils sont masqués parce qu'il faut que je découvre les cocos, mais. 1. C'est parti pour les items, ça bouffe le diamant. Les icônes. Ah, ça prend toujours le même sens, d'accord, c'est bon à savoir. Tout part toujours dans le même sens. Oui, Dans le ça va sens des toujours en aiguilles. direction. Toujours au nord et ensuite ça va sur les côtés. Ah, quoi que non, regarde, ça a chopé. Ah ouais. Oh, étrange. Oui, si t'as pas un kiff, il a fait Manabine de bord. Non, à mon avis, je sais pas si c'est pas un ordre prédéfini pour chaque craft, je sais pas. Pour Normalement, ça. c'est ça, hein, c'est en direction du nord et ensuite sur les côtés. Ouais. Ah, elle bug là. L'énergétique ailleurs. Putain, elle est super stable. Hein. Ouais. Oh, t'as vu, il me rend même le saut, l'enculé. Ouais, il est gentil. Hein. Il a pris que la lave. Perdu. Bam! Ding. Bam! Ouais, il est tout content maintenant. Ouais. Carrément. Il est tout content. Bon, ça Alors, fait comment il quoi la nuit s'allume? Très avec bonne question. le. Ouais, bon, moi de mon côté, je vais terminer l'épisode et puis hop. Ouais. Voilà. Salut, salut. Donc, voilà, hein, vous avez vu un petit peu ce que c'est que TomCraft quand c'est bien géré. Pas comme moi où ça explose de tous les côtés, hein, vous avez pu voir dans FTT. Là, pas du tout. De mon côté, je vais terminer cet épisode avec vous. On va voir en dessus, en dessous. Ok, c'est là, il faut que je le remette en fast en fait. Faut que je les fasse travailler en fast. Je sais pas que je l'ai foutu. Explorer. Non, bah peut-être que je. Merde. J'ai failli descendre par le coffre, ça va pas le faire. Fast, up. Ça, de mon côté, je l'ai fait tourner tranquillement. Comme ça, je suis sûr d'avoir du stock. Et puis, bah voilà. Hein. Donc, sur ce. Merci de m'avoir suivi. Donc l'épisode était un tout petit peu long suite à un petit truc et puis en plus ça lag complètement. C'est, je ne sais pas. Il va peut-être avoir du déco. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que oui même. Ça va être plus simple. Et puis bon bah voilà en fait. Hein, donc ça foire complètement. Sur ce, merci d'avoir regardé et ah bah voilà, c'est tant mieux, voilà. Allez, sur ce, sur ce, on se quitte et rendez-vous à la prochaine. Ciao tout le monde.